Nous nous levons pour honorer la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans les livres de Paul aux Hébreux, chapitre 13. À la maison, vous pourrez lire à partir du premier verset, mais je lis à partir du verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jacques chapitre 1, 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Le thème de mon message ce soir est intitulé « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous servons un Dieu qui ne change pas. Il est constant dans sa nature. Il est consistant dans ses œuvres. Et il ne changera jamais. Les hommes peuvent changer. Les institutions peuvent changer. Les lois peuvent changer. Mais notre Dieu est immuable. Il ne change pas. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. C'est un message d'espoir. C'est un message de stabilité et c'est un message d'assurance que le Seigneur m'envoie vous apporter ce soir. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un ce soir, il ne te délaissera jamais et il ne t'abandonnera jamais. Acclamez le Seigneur pour ça. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi dans les bons comme dans les mauvais jours. Il a été avec toi dans ton enfance. Il est avec toi aujourd'hui et il restera avec toi pour l'éternité. Il continue, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Notre
parole bien-aimée dans le Seigneur vient de Dieu. Il est vrai que Dieu peut utiliser un homme, il peut utiliser une femme, mais la source de notre aide, l'origine de notre aide, la vraie source de notre aide, c'est Dieu lui-même. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dans tout le projet que vous avez, j'étais content, j'étais avec l'apôtre, il m'a parlé du projet de l'église, d'acquérir un grand bâtiment, de bâtir notre église. Je viens vous dire, en tant que ministre de Dieu, ce projet se réalisera. Ton amen là n'est pas bon. Amen. Ton amen là n'est pas toujours bon. Amen. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Il y a seulement quelques gens qui ont compris. J'ai dit, il y a seulement quelques gens qui ont compris ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a seulement quelques gens qui ont compris ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a seulement quelques gens qui ont compris ce que j'ai dit. Ah, voilà, les gens commencent à comprendre. Les gens commencent à comprendre. Les gens commencent à comprendre. Regardez-moi. J'étais à Dourdan ici, dans une église, je partageais avec l'homme de Dieu. Ils étaient dans une église qui louait. Je suis allé prêcher un dimanche. J'ai l'air d'y écouter. Chaque homme de Dieu a une grâce qui l'accompagne. Amen. C'est comme dans un gouvernement. Vous avez le ministre de l'agriculture. Si vous voulez cultiver les choses, il faut aller les voir. Il y a aussi le ministre de l'économie. Il y a le ministre des Affaires étrangères. Il y a aussi le ministre de la Santé. Il y a le ministre de l'Éducation. Tel que Dieu nous a établi dans le ministère, chaque homme de Dieu a une grâce qui l'accompagne. Mais Dieu nous a donné la grâce de déclarer des choses et de le voir s'accomplir. Alors je vais vous faire bénéficier de cette grâce-là. Je déclare ce soir, en tant qu'homme de Dieu, ces projets d'acquisition de terrain, de construction, de bâtir notre temple sera réalisé. Amen. Je dis, ça sera accompli. Amen. Je dis, ça sera réalisé. Amen. Oh, je dis, ça sera réalisé. Amen. Et pour vous donner la confirmation, je reviendrai à Paris. Spécialement les jours où on va dédicacer ce temple-là. Je viendrai. J'ai dit, je viendrai. J'ai dit, je viendrai. J'ai dit, je viendrai. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et... J'ai dit, il est le même hier, aujourd'hui et... Acclamez le Seigneur. Hallelujah. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est-à-dire quoi? Dieu va bénir l'église. Ça, c'est une parole de prophétie que je viens vous donner. Dieu va visiter spécialement l'église en visitant les membres de l'église. Le projet s'accomplira de deux manières. Il y aura des gens de l'intérieur de l'église qui seront spécialement et agressivement bénis par Dieu. Pourquoi toi tu es en retard? Pourquoi ton amen est en retard? Je demande, pourquoi ton amen à toi est en retard? Et de deux, Dieu va aussi envoyer des gens de l'extérieur. Ce que nous cherchons est dans le main des gens. Que ce soit les dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, c'est dans les mains des gens. Amen.
Jésus n'avait besoin que de Joseph d'Arimathée pour organiser son deuil et pour investir pour l'avenir d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, les gens vont en pèlerinage en Israël voir l'investissement qu'un disciple de Christ avait fait. Il s'appelait Joseph d'Arimathée. Oh, je proclame ce soir à cette résurrection, Dieu va élever des Joseph d'Arimathée. J'ai dit, Dieu va élever des Joseph d'Arimathée. Et j'aime dire, si ce sont des femmes, ce sont des Joséphines d'Arimathée. Recevez cette bénédiction de Dieu. J'ai dit, recevez cette bénédiction de Dieu. Que Dieu vous ouvre des contrats. Que Dieu vous donne des connexions. Que Dieu vous donne de l'argent. Je dis que Dieu vous donne de l'argent. Je dis que Dieu vous donne de l'argent. Que Dieu vous donne des sociétés. Que Dieu vous donne des entreprises. Que Dieu vous donne des connexions. Que Dieu vous donne des ouvertures. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos calculs. Recevez ces bénédictions-là. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez ces bénédictions. Recevez ces bénédictions. Regardez-moi. J'ai un de mes amis au Nigeria. J'ai dit à l'apôtre, désormais, il a une famille au Nigeria. Le jour où le Seigneur permettra qu'il vienne à Lagos, il est le bienvenu parmi nous. Amen. Acclamez le Seigneur. J'ai un de mes amis que Dieu, notre Dieu béni, hein? Yes. Attention, attention. Yes. Beaucoup de gens pensent que ce n'est que le diable qui donne la richesse. Le diable ne donne pas la richesse. Il copie la richesse de Dieu. La vraie bénédiction, elle vient de Dieu. Mon ami là, Dieu l'avait déjà beaucoup béni. Mais tout récemment, grâce aux prières, aux multiples déclarations prophétiques, prière, le Seigneur vient de le bénir. Il avait une société de pétrole. Maintenant, il y a quelqu'un, un homme, qui lui a confié 6 sociétés. Et les capitaux de ces 6 sociétés montent à 4 milliards de dollars. Si tu veux acclamer, tu acclames. C'est pour vous dire quoi? Je viens provoquer votre foi. Je viens secouer votre foi. Le même Jésus qui avait le pouvoir de multiplier le pain, il n'a pas changé. Tendez le main. Que Dieu multiplie vos ressources. Donnez-moi un amen bien. J'ai dit que Dieu multiplie vos ressources. Que Dieu multiplie l'argent dans vos mains. Que Dieu multiplie les faveurs autour de vous. Recevez des bénédictions en abondance. J'ai dit recevez des bénédictions en abondance. Certains d'entre vous, vous aurez la promotion au travail. Yes. Amen. Si tu veux dire amen, tu dis amen. Amen. Mais certains d'entre vous, vous créerez vos propres sociétés. Amen. Certains d'entre vous, vous aurez des contrats. Il y a des contrats de dizaines de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros. Et il y a même des contrats de millions. Si tu le reçois, que ton amen soit le plus fort de tous. Jésus est le même. Il ne change pas. Que Dieu vous bénisse. Que le ciel soit ouvert sur l'église. Et que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens parmi vous qui attendaient des signatures, des dossiers. Le Seigneur m'a envoyé ce soir libérer la signature de ce document-là. Je libère la signature au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'étais à l'est du Congo, je priais, je
prophétisais sur les gens, je bénissais les gens. Je disais, Dieu va élever des ministres parmi vous. Jusqu'à quand je finis de prêcher, et un frère, on l'a appelé, tu es nommé ministre. Je vis ce Dieu-là agir et agir et agir et agir. Et ce soir, il veut agir au milieu de vous. Si ta foi est grande, ton miracle ne va plus tarder. Ça va venir plus vite que tu ne l'attendais. Ça va venir plus rapidement que tu ne l'attendais. Ça va se faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu calcules. Oh my God, je vois l'onction de Dieu tomber sur quelqu'un maintenant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Commence à dire merci à Dieu. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de clôturer, je prierai pour les gens qui travaillent ici, les entrepreneurs. Le Seigneur me met à cœur de prier pour vous, vous serez bénis. Mais laissez-moi continuer ma prédication. Acclamez le Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Il dit, je ne craindrai rien. À partir de ce soir, ne crains rien. Enlève la crainte. Enlève le doute. Les questionnements quotidiens, enlève-les de ton cœur. Dans la Bible, il est écrit 365 fois, ne crains pas. C'est pour ainsi dire, pour chaque jour, Dieu te dit, ne crains pas. Ne crains pas pour ta vie, ne crains pas pour ton avenir, ne crains pas pour l'œuvre de Dieu. Ne crains pas pour ton travail, ne crains pas pour tes affaires, ne crains pas pour ta vie chrétienne. Le Dieu qui a commencé avec toi, il est fidèle. Le Dieu qui t'a confié le travail, il est fidèle. Et il est capable de l'achever, car il est le Dieu de l'œuvre achevée. Notre Dieu ne commence jamais un projet et l'abandonner à mi-chemin. Jamais. Tout ce qu'il commence, il achète. Vous savez pourquoi? Parce que avant même de commencer, il achève d'abord. Avant que Dieu ne commence, il achève. Avant que Dieu ne commence avec l'apôtre, il a déjà vu, il a déjà béni, il a déjà pourvu, il a accompli. Et c'est alors qu'il va maintenant commencer. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Il est le Dieu de l'œuvre achevée. Quand Jean-Baptiste présentait Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui a été immolé dès avant la fondation. Dès avant la fondation. Avant même qu'il y ait Genèse, Jésus était déjà immolé. C'est pour ainsi dire que Dieu n'est pas en retard. Il sait ce qu'il fait. Si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Car il est fidèle. Premièrement, il est le même en puissance. La puissance de Dieu ne diminue pas. La puissance de Dieu ne change pas. La puissance de Dieu est la même. La même puissance qu'il a manifestée au temps d'Abraham. La même puissance qu'il a manifestée en Égypte. La même puissance qu'il a manifestée en Israël, c'est la même puissance qui est disponible jusqu'à aujourd'hui. Et cette puissance est supérieure à la sorcellerie. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur l'enfant de Dieu. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Cette puissance est supérieure à l'occultisme. Quand Moïse était en Égypte, il a jeté son bâton. Son bâton s'est transformé en serpent. Le magicien de Pharaon a fait la même chose. Mais là où il y a deux puissances qui s'affrontent,
la puissance de Dieu avale la puissance de l'ennemi. Amen. Et le serpent de Moïse a avalé le serpent du magicien de Pharaon. La puissance de Dieu est supérieure à toute puissance autour de votre vie. Voilà pourquoi ne craignez rien. Ils peuvent vous faire la guerre, mais ne vous vaincront pas. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à droite, tu ne seras pas atteint. Car ton Dieu est avec toi. Allez de conquête en conquête. Que quelqu'un dise Amen. Amen. J'ai dit que quelqu'un dise Amen. Amen. Allez de conquête en conquête. Possédez pour le Seigneur. Gagnez le monde pour le Seigneur. Car la puissance de Dieu n'a pas changé. La même puissance qui a travaillé avec Pierre, c'est la même puissance qui travaille avec vous. C'est la même puissance. Il n'a pas changé en amour. De la même manière qu'il a aimé le monde, il a aimé Jean, il a aimé Bartimée, il a aimé tous ces gens dans la Bible. De la même manière, le Seigneur t'aime jusqu'aujourd'hui. Malgré les hauts et les bas que tu as connus, malgré les difficultés que tu as connues, malgré le pleur que tu as pleuré, malgré les contraintes, malgré le problème, malgré les obstacles, malgré le haut et les bas, malgré tout ce que tu as connu dans la vie, le Seigneur m'envoie pour te dire son amour est le même pour toi. Il t'aime jusqu'aujourd'hui. Il te connaît. Il ne t'a pas abandonné. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que Dieu m'aime encore? Avec tout ce que je connais comme problème. Oui, Dieu t'aime encore. C'est son amour qui te garde en vie jusqu'aujourd'hui. Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans des hôpitaux. Mais Dieu t'a gardé. Est-ce qu'on peut acclamer ces dieux-là? Qui nous aime? Oui, qui nous aime? Malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré tout ce que nous pouvons faire, mais jusqu'à ce jour, son amour reste le même pour nous. Et il te tend le main encore ce soir. Il te dit, viens ma fille, viens mon fils. Tu as de la place dans mon cœur. Je t'aime. Je t'aime. Et je t'aime. Alors je te dis ce soir, réponds à cet amour. Donne-toi au Seigneur. Et il te bénira abondamment. Il est le même dans sa grâce. Sa grâce n'a pas changé. Luc chapitre 4, verset 17 à 18. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Ce soir, les captifs seront libérés. Il m'a envoyé pour libérer les opprimés. Ce n'est pas qu'est-ce qui t'opprime. Mais à partir de ce soir, tu seras libéré de ces oppressions. Il dit, il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce. L'année de grâce de Jésus ne compte pas 12 mois. Depuis que Jésus est venu, il a commencé cette année de grâce. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Tu es dans l'année de grâce. Et dans la grâce de Dieu, bien-aimés, nous sommes affranchis de condamnation. À la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimés, désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je déclare ce soir, tu es libre. Je dis, tu es libre. Je dis, tu es libre. Je dis, tu es libre et totalement libre. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Ce qui a détruit ton père ne te détruira pas. Là où tes frères ont échoué, toi tu réussiras. Là où ils pleuraient, toi tu vas chanter des cantiques de joie. Et tu diras, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige auprès des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun
aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Est-ce que quelqu'un peut prêcher avec moi? J'ai dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Combien de jours? Oh, je n'ai pas entendu combien de jours. Oh, je n'ai pas bien compris combien de jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Oh, acclamons, c'est Jésus là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même dans sa grâce. Mais écoute, Dieu te donne la grâce, mais c'est toi qui gères cette grâce. Quand Dieu te donne la grâce, il te donne la responsabilité de gérer cette grâce, de garder cette grâce, de préserver cette grâce, de protéger cette grâce. Tu es à l'église, Dieu a commencé à t'élever, Dieu a commencé à te bénir. Gère bien la grâce. Protège la grâce. Ce n'est pas à Dieu de gérer la grâce qu'il te donne. C'est à toi de gérer la grâce que Dieu te donne. Et celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui confiera. Il est le même dans sa fidélité. Dieu est fidèle. Il ne sera jamais infidèle. Jamais. Jamais. Il dit dans sa parole, si nous sommes fidèles, il est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Ce qu'il promet, il réalise. Ce qu'il révèle, il accomplit. La vision qu'il donne à son serviteur, il l'accomplit dans sa fidélité. J'aime Dieu parce qu'il est fidèle et il reste fidèle. Il est le même bien-aimé en pardon. Il pardonne celui qui se repent. Si tu viens devant lui sincèrement, tu lui demandes pardon, il va te pardonner. Même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, il est capable de le purifier, de le rendre plus blanc que la neige. Ce soir encore, le Seigneur te dit, viens, je peux te pardonner. Je veux bien te pardonner. Je vais te donner un nouveau départ, un nouveau commencement. Je vais te donner une nouvelle vie. La Bible dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est le Dieu qui pardonne. Il est aussi le même en guérison. Il guérit jusqu'à aujourd'hui. J'ai béni Dieu pour le médecin. S'il y a des gens qui sont des docteurs ici, de médecins, que Dieu vous bénisse. J'ai béni Dieu pour la médecine. Ils font un excellent travail. Mais au-delà de la médecine, il y a un Dieu qui guérit. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il guérit même là où la médecine échoue. Il guérit les maladies rares. Il guérit les maladies communes. Je l'ai vu guérir les gens. Je l'ai vu guérir les hommes, guérir les femmes, guérir des gens. Je l'ai vu ouvrir l'oreille de quelqu'un qui n'entendait pas. Je l'ai vu faire disparaître des myomes dans le ventre d'une femme. Je l'ai vu guérir le cancer de sein. Je l'ai vu guérir à plusieurs reprises. Il a guéri cette femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Elle a touché le pan de la robe du Seigneur. Elle disait, si et seulement si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. C'est un problème de foi. Parce que la même robe a été touchée par le militaire. Elle a même été déchirée. Ils n'ont rien vu. Mais cette femme, avec la foi, elle a touché cette robe. Et la Bible dit, instantanément, elle était guérie. C'est ce Jéhovah Rapha que je vous amène. C'est ce Jéhovah Rapha que je vous prêche.
Il est capable de guérir encore ce soir. Il est capable de toucher ta tête, de toucher ton dos, de toucher tes pieds, de toucher ton cœur, de toucher tes poumons, de toucher toutes les parties malades de ton corps. Il est même capable de toucher quelqu'un qui est malade à la maison ou à l'hôpital. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Je l'ai vu guérir. Et ce soir, il va aussi te guérir. Si tu as la foi. C'est un problème de foi. La Bible dit, le Seigneur disait à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe qui dit, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Il dit, mais je suis l'alpha. Je suis le premier jour et je suis le dernier jour. Et je peux prendre ce qui est au premier jour, je ramène ça au dernier jour, mais je peux aussi prendre ce qui doit arriver au dernier jour. Et je le ramène aujourd'hui. Il dit, je t'ai dit, ton frère va ressusciter. Quand il amène devant le cimetière, le tombeau, il dit, Seigneur, il sent déjà, tu commences à ce qu'on enlève la pierre. Le Seigneur la regarde et dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Là, le Seigneur hausse le ton, ne t'ai-je pas dit. Il dit, ne sois pas un obstacle pour le miracle de ton frère. Il y a des gens qui peuvent s'ériger en obstacle. Des miracles de l'église. Oh, mais pasteur, vous ne voyez pas que c'est trop. Écoute-moi, ce n'est pas trop. J'ai partagé avec l'apôtre, nous avons au Nigeria des églises qui ont construit des temples de 50 000 places assises. 30 000 places assises. 10 000 places, 5 000 places. Il y a un qui a battu le record, 100 000 places. Mais c'est le même Jésus que toi tu pries. Le problème c'est la vision. À partir d'aujourd'hui, que Dieu élargisse ta vision. Commence à voir des grandes choses. À qui est-ce que je parle ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Commence à voir des grandes choses. Et le Seigneur a parlé à Lazare. Aujourd'hui, nous allons parler à nos Lazares. Lazare sort. Et la Bible dit que le mort sortit. C'est pas que les morts sortaient. Hein? Si on dit les morts sortaient, c'est le temps qu'on appelle en français imparfait. Et si vous souvenez la grammaire, l'imparfait exprime une action qui se passe petit à petit, progressivement. Mais la Bible utilise le temps passé simple. C'est un passé qui est simple. C'est une action qui est simple. Et le mort sorti, c'est-à-dire la puissance de Dieu l'a soulevé. Non, mes amis, Dieu va toucher quelqu'un ce soir. La vie de quelqu'un va changer ce soir. Oh, l'église de Dieu est en train d'aller de gloire en gloire. La puissance de Dieu l'a soulevé, l'a projeté dehors. Le pied bandé, le main bandé, les yeux bandés. C'est la puissance de la parole. Quelqu'un est en train de sortir aussi. Quelqu'un va sortir ce soir. Il y a un travail qui va sortir ce soir. Il y a un mariage lié qui va sortir ce soir. Il y a une bénédiction retardée qui va sortir ce soir. Il y a un miracle qui va sortir ce soir. Si tu le crois, lève-toi et dis Amen. Je lui dis Amen. Je lui dis Amen. Que ton miracle sorte. Que ta bénédiction sorte. Que ta gloire sorte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause du temps, j'aimerais m'arrêter là et commencer à prier avec vous. Remercier le Seigneur pour la parole que nous avons entendue. Jésus est le même. Nous n'avons pas terminé le message, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais à cause du temps, nous allons nous arrêter là. On continuera prochainement quand Dieu nous donnera l'occasion. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il
dis-lui, Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Sa puissance ne diminue pas. Sa gloire ne diminue pas. Ses œuvres aussi ne diminuent pas. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est l'incomparable, il est l'inchangeable. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu es présent. Je vais prier pour tous ceux-là qui travaillent. Vous êtes dans les affaires, vous travaillez, avancez devant. Aujourd'hui, c'est une soirée de bénédiction pour vous. Avancez rapidement. La première recommandation est celle-ci. Le Seigneur me dit qu'il va vous bénir. Dites amen. Vous qui travaillez, il va bénir votre travail. Si tu constates de petits soucis dans ton travail, c'est parce que Dieu veut te donner un meilleur travail. Ne crains rien. Dieu nous a dit d'abord ne craignez rien. Deuxièmement, il me dit de vous dire n'hésitez pas de développer de grands projets. S'il y a moyen de créer ton entreprise, crée-la. S'il y a moyen de planifier, de projeter quelque chose, fais-le. Parce que lui-même marchera devant toi pour t'ouvrir les portes. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre. Allez écrire ça. C'est une date historique pour votre vie. Et enfin, soyez fidèles dans vos dîmes. Dites-moi amen. Ne faites pas de délestage. C'est moi tu payes, le mois prochain tu ne payes pas, l'autre mois tu payes, l'autre mois tu ne payes pas. Soyez fidèles. Donnez vos dîmes fidèlement, humblement et régulièrement. Et vous verrez, le Seigneur, il va vous bénir. Je viens prophétiser. Dieu va élever parmi vous de grands messieurs, de grandes dames. Il va vous bénir dans vos lieux de travail. Et il va vous ouvrir des grandes portes des affaires. C'est Dieu-là qui m'envoie dans le monde et qui m'a dit, va et suscite des hommes puissants et des femmes puissantes en finance dans mon royaume. Je viens apporter cette même grâce ici à Paris, chez vous à l'église Seb Résurrection. Levez les mains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dites amen. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Que la faveur de Dieu soit votre portion. Amen. Allez et fleurissez. Amen. Allez et réussissez. Amen. Allez et faites des exploits avec Dieu. Amen.
Recevez des connexions au-delà de vos calculs. Recevez des bénédictions au-delà de votre imagination. Les gens vous poseront la question, quel est votre secret? Et tu leur diras, mon secret, c'est que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je dépose sur vos mains la bénédiction de Dieu. Et ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. En tant que ministre de Dieu, je viens annoncer et proclamer ce soir. Il n'y aura pas d'indigents dans cette église. Il n'y aura pas de pauvres dans cette église. Chacune et chacun de vous reçoit sa part de bénédiction ce soir. Que l'argent circule librement dans vos mains. En euros, en dollars, en livres sterling, en toute dénomination importante et imposante du monde. S'il n'y a pas de riches dans ta famille, Dieu t'élève comme le premier riche de ta famille. Laisse que ton amen soit plus imposant que ça. Si tout le monde est pauvre dans ta famille, je viens déclarer sur ta vie. Tu es le premier riche de ta famille. Et s'il y a des gens qui ont des moyens, tes moyens à toi dépasseront le moyen de tes frères et de tes soeurs. Va de l'avant et fais de grandes choses avec Dieu. Va de l'avant et possède tes possessions. Va conquérir. Va conquérir le terrain, les maisons, les sociétés, le marché, les opportunités que Dieu a préparées pour toi. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur.